Hallelujah!
Dieu. Amen. Nous sommes and we're so happy to get again was in this place. And we're so grateful to the Lord for the great guy attended to us this morning. Electricity, but all those things belong to those who love God. I thank the Lord for this marvelous grace. And to come from the other side of eternity. And before I give a little message this morning, first of all, I would like to thank the Pastor Gabriel for the trust, and for the hospitality. And I thank Brother Roger and the man of God Joshua and Sister Ivodi. And for the fresh mood that has given to me. If I was not married and I didn't have a church, I should come and stay here. I really feel home. It's fine. May the Lord richly bless you and bless you all. You in the Christ, that wonderful mood. Before we read the word, I would like to support what the pastor has said. When the pastor got a program, you get to support it. And where William Barnum say is a message, why? That is featured in the 29th of March 1960. 5-1, I will take a portion. Je crois absolument que toute personne devrait se tenir à son poste de devoir. I do believe every single person should remain on his duty. Et lorsque le pasteur ou l'évangéliste ou quelqu'un d'autre est là en train de prêcher, if the pastor or an evangelist is there preaching the word, parce que toute personne devrait se tenir à son poste de devoir. I thought everyone should stay on his own place. Toute personne devrait soutenir cette église avec tout ce qu'elle a en elle. Amen. Support the church with everything that he got within. With his tithes and offerings. Par tout ce qu'elle est appelée à faire. And from everything that has been called for, soyez disposé et content. Remain available and happy. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, if the pastor requests you to do something in the church, vous devriez le faire. You get to do that. C'est une bonne chose. That's good for you. Voilà un peu les conseils de this is an advice from William Branham. Dans le grand réveil imminent, into the imminent revival that is preached in 1954. I will take a part from paragraph 6. That Obama said every single person in his own church and follow his pastor and his program. To support it with everything within. And the pastor asks you something to do. Yes. Et soyez de lire le programme du pasteur. That's for the program of the pastor. Même si cela ne vous arrange pas. So you're not happy with that. Mais soyez de lire le programme du pasteur. And anyway, follow the pastor program. Soutenez-le avec vous. And support it with your offering and tithe. Tout ce que vous avez. And everything else you have. Je pense que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. I know this, don't say the Lord. Je pense que ce qui nous réunit, c'est très valable. I know what's getting us here to William Branham. Le message qui est apporté en ce temps. The message that have brought to us in this last day. Le message n'était pas là, je ne pouvais pas. If the message was not here, we should not meet here. Si quand nous commençons à apporter le message. And if we stand here, it should be in the message. Demandons s'il y a quelque chose en dehors du message, que cela soit mis. That's why we ask God to grant us grace if there is something out of the word may put aside. It might happen like I say something that you don't believe. Try to bear with me and put it aside. Yeah. Thank you. Then I will ask you to stand in the room.
prêtre for the word of prayer. Bienveillant Père Céleste. In Lord of Heavenly Father. Nous vous remercions pour la grâce que nous accordons ce moment. We thank you for the grace that you have given to us this morning. C'est le moment le plus précieux. This is the precious momentum. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir nous écarter. And we ask you to take us away. Oui, la parole, Seigneur, notre Père. And anoint the word that you can read. Les commentaires qui seront faits. And all the commands that shall be done. Sois avec nous. And be with us. Cache-nous derrière la croix. And hide us behind the cross. Au nom de celui qui est vivant. In the name of the one that is alive. Le Seigneur Jésus Christ. The Lord Jesus Christ. Amen. Nous prenons notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 21. We will open our book open our Bible in the book of John, chapter 21. Et je lis directement en français pendant que vous vous suivez dans votre Bible en anglais. I will read it in French while you follow up in English. Après, je pense sur le verset 15 sur le verset 22. I thought from verse 15 going John down 22, John chapter 21st. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon père, Simon fils de Jonas. M'aimes-tu, puisque même ceci. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon the Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Je vais dire directement. Okay, I will read in French, then you follow in English. Then you need to read the Bible. Everybody should read his own Bible. Suivez-moi pendant que moi je lis en français. Let follow while I'm reading. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il me répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes amis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes péchés. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Yes. En vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. C'est vrai. Et quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. C'est vrai. Il lui dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. C'est vrai. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, est-ce? Et celui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, suis, je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Que t'importe, toi, suis-moi. Que Dieu bénisse. May God bless the reading of His word. J'aimerais parler d'une pensée. I would like to speak about a thought que je vais intituler le dernier appel de l'épouse. That I will give the title The Last Call of the Bride. Un appel pour les domaines surnaturels. The call of spiritual domain or spirit. Je parle du dernier appel. I will speak about the last call. Et cet appel c'est pour les domaines surnaturels. And that call is for supernatural domain. Avant cela, j'aimerais que vous puissiez vous détendre un peu là. Before that, I would like you to relax. Frère Branham déclare qu'il a beaucoup prêché dans de grandes auditoires. And Brother Branham said he preached into the big auditorium. Là où il y a beaucoup de gens, des milliers de milliers. Where he could meet a lot of thousands of people. Il dit que je pensais il y a quelques minutes lorsque nous étions en train de parler de la petitesse du chapitre. And Brother Branham said I talked about when we were speaking about the petitesse. Ou de la petitesse du groupe que nous avons eu. Oh.
All the happiness of the group that we had. Et j'ai déjà eu le privilège de parler à des grandes foules. And I had that privilege to speak to the great flow. À Bombay, à Londres. In Bombay, in India. J'ai eu 500 000 personnes à une seule réunion. And I met 500,000 people from one meeting. En Afrique. In Africa, in South Africa. C'est environ 250 000 personnes peut-être à une seule réunion. It's roughly about 250,000 people for one. Là où j'ai connu le moment le plus doux et le plus béni de tout. But where I found the softest momentum of everything. C'est lorsque nous avons des petites réunions de prière dans des maisons. It's where we can meet in a little place in the house. J'attire votre attention là-dessus. I'd like to attract your mind. Que dans des grandes foules, il y a beaucoup d'esprits. But from seeing in the crowd, there is a lot of spirit. Dans des petites réunions, on parle cœur à cœur. But into the little meeting, we speak heart to heart. Et le Dieu que nous adorons est si spécial. Amen. God that we worship is a special God. Oui, il ne compte pas les gens. Yeah. He doesn't number the people. Oui, il pèse les gens. Wow. But he's waiting the people. Et ceux qui amènent Dieu à venir au milieu de nous. And God brings God to come in the midst of the people. Ce n'est pas une bonne grammaire que nous avons. Mais Dieu tient compte de sa parole. Alléluia. Il a dit dans sa parole. And God said in là où deux ou trois sont ensemble. And wherever two or three are gathered, je serai au milieu d'eux. Et ce qui amène la présence de Dieu. And what brings the presence. Mais madame, regarde que c'est l'attitude que nous avons. Alléluia. Et si seulement nous pouvons avoir une bonne attitude, good mood, je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous sera favorable. Béni soit le nom du Seigneur. Et je te souviens que ce petit moment que nous sommes en train de traverser, dans ce petit groupe de gens, nous allons laisser avec des précieux souvenirs. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Into the modern event, make clear about votre prophétie. Prophète et mon prophète est en train de prier. Your prophet and my prophet is parce que je crois aussi dans les prières de Frère Bernard. Je crois être exaucé. Father, tout puissant. Almighty God. Et je prie que vous puissiez tenir compte de cela. And I want you prenez attention à la prière de Frère. Pay attention to the prayer. Dieu tout puissant. Almighty God. Toi qui es l'auteur de ce livre. You the maker of the Bible. Nous te prions au travers de Jésus. And we pray you through Jesus. Nous te sommes reconnaissants. And we so grateful to you. Pour ce que nous avons déjà entendu ce soir. For what we heard this morning. Si nous devions ponctuer cette réunion en disant amen. We can stop this. Et retourner chez nous, cela aurait été une bonne chose. And going back home, that should be wonderful. Pour nous d'avoir été ici. And for us being into the church. En effet, nous reconnaîtrons que tu es avec nous. And in fact, we shall acknowledge that we were. Et Père, alors que nous ouvrons cette parole. Father, before we open the word. Maintenant, parle-nous directement par elle. Now speak of who that word. En fait, que nous puissions connaître l'air dans laquelle nous vivons. Amen. Le principal thing, brothers, qui nous différencie de toutes les dénominations. Alléluia. C'est quand nous allons connaître l'air dans laquelle nous vivons. Il continue. Si nous connaissons l'air dans laquelle nous vivons, if we can realize the time that alors nous pouvons nous préparer pour cette ère. Mais si nous marchons comme des aveugles, if you walk as je pense que les aveugles, c'est la Odyssée. C'est les millions qui ne voient que leurs églises. Mais les pousses ne sont pas dans la Odyssée. Les pousses ne sont pas aveugles. Les pousses voient le programme. Alléluia! Mais si nous marchons comme des aveugles, if we walk as a blind, ignorant le pourquoi, and there shall be some question, et le comment, and the how, nous ne saurons alors pas nous préparer. Then we won't be ready for that. Si nous ne savons pas le pourquoi les messages prêchés, if we don't know the reason why, si nous ne savons pas comment les messages prêchés, if we don't know how the nous ne pouvons jamais nous préparer. We don't get ready for that. Aussi, Père, nous te prions de nous laisser voir l'arche là. Father, we would like you to allow us to see cette arche avec sa porte ouverte. And that open
up. We et de nous faire entendre les messages qui nous appellent à y entrer. And to make us understand the word, oh, the word that parce que l'axe c'est Christ. That is Christ. L'axe c'est le Seigneur Jésus. The Christ is the Lord. Et le Seigneur Jésus n'est rien d'autre que la parole. Alléluia. God is not beside pas the n'importe quelle parole. Amen. Mais la parole a rendu manifeste. Amen. That is my word. C'est pourquoi mes amis, Dieu lance le dernier appel. God is projecting the call. Je voudrais d'abord que vous puissiez réfléchir à moi. Ou le voir comme je le médite. Ici, c'est après la résurrection de Jésus. He is after the reason of Jesus. Que celui où lui dit, viens et suis-moi. Then he told someone, come and follow me. Cette phrase deux fois. And he repeated twice. Mais ce n'était pas la première fois que Jésus a dit à Pierre de suivre. It was not the very first time that Jesus said to dans Matthieu chapitre 4, in Matthew chapter 4, la Bible déclare, the Bible says, comme il marchait le long de la mer, as he walking, Jésus dit de frère. Jesus saw his brother, Simon appelé Pierre, and Simon the Peter, André son frère, and Andrew his brother, dans la mer, and the way who are throwing, ils étaient des pêcheurs. Because the way the fisherman, il dit suivez-moi, and he told them follow me, et je vous ferai pêcheur d'or, and I will make you the fisherman. Aussitôt ils laissèrent le filet, ils les suivirent, and they left the and to follow him. Donc vous comprenez que ce n'était pas la première fois que Pierre suivait Jésus. You understand that was not the first time. Mais je parle de le dernier appel. But that I'm talking about the last one of the Pierre suivait Jésus. It's been to follow Jesus. Et si vous remarquez dans Matthieu chapitre 16, it's not in Matthew chapter 16. Pierre était dans la communauté du message. And Peter was into the community of the message. Il était dans les messages de son jour. He was into the message of his day. Il a reçu même la révélation du message de son jour. He even received the revelation of his day. Quand Jésus a demandé aux autres, when Jesus asked others, qu'est-ce qu'ils disent déjà de moi? What people are saying about me? Ils ont donné de différentes réponses. And one gave his own response. Pierre sous l'inspiration de Peter. Under the anointing. Il a reçu la révélation du message de son jour. Il a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui est cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Pour révéler cela, j'attire votre attention. Dieu était déjà dans le message de son jour. Mais il suivait Jésus. La parole went. Amen. Il suivait Jésus. Non pas comme le Jésus qu'on parle ici. Alléluia. Le Jésus que Pierre suivait, c'est le même Jésus que nous suivons. Seulement il peut changer de forme. Alléluia. Il ne reste toujours le même. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Pierre était dans les messages. Il écoutait quelque chose. Il était dans les messages. Pierre prêchait et chassait tous les démons. C'est le troisième point que nous voyons. That was the third et tant dans le message, dans la communauté, into community. Pierre avait des titres. And Peter got the title. Pierre avait des titres. And Peter got some. Il était un missionnaire. He was a missionary. Il a chassé les démons. And he cast some demons. Il a guéri les malades. And he healed the et people. Jésus leur a dit, and Jesus ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont obéi. Do not rejoice because the demon réjouissez-vous, to you, but rejoice. Votre nom est écrit dans le livre. Alléluia. Book. Donc, quand nous regardons dans le livre du ciel, if we can look into the book of heaven, le nom de Pierre était là. And the name of Peter, et il devait suivre Jésus. And Peter should follow Jesus. Malgré qu'il a reçu la révélation, and despite receiving the malgré qu'il était dans le message, despite was in malgré qu'il a prêché, qu'il a chassé les démons, despite he had the mais nous remarquons que Pierre est encore inconverti. But we know that Peter was not converted yet. Okay, les choses semblent un peu difficiles. That's when things come tough. Pierre, Peter, dans le message, into the message. Pierre, Peter, guérissant les malades.
prédicateur, Peter being the preacher, Pierre ayant la révélation, Peter having the revelation, Pierre inconverti. But Peter was not converted yet. Et c'est là que Jésus vient de nous dire. That's when Jesus came and told him. Il sera converti. When you shall be converted, dans le futur, Pierre. In a future time. Après avoir prêché. After you preach. Après avoir chassé les démons. Après avoir manifesté les dons surnaturels. After you have manifested the gifts. Et quand il sera converti. But once you be converted, paye les brebis. Paye. Et suis-moi. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Là, je pense que vous voyez Pierre. Hein? Je ne sais pas si vous voyez Pierre, parce que je parle à Pierre ici. Puis je ne parle pas de la parole de la Bible, je parle du Pierre ici. Pierre dans les messages, Pierre dans les révélations, Pierre dans les chants, Pierre le présent quelque chose dans les messages. Mais est-ce converti? Alors, on lance un dernier appel à Pierre. And for the last call to Peter. Suis-moi. Follow me. Suis-moi. Follow me. Ce n'est pas pour qu'un devienne membre de l'église parce qu'il était déjà. It's not to make Peter a member of the church because he was already the member. Suis-moi. Follow me. Ce n'est pas pour lui donner le titre ecclésiastique. It's not to give him a title that. Ce n'est pas pour lui donner un titre. It's not to give him a. Parce que nous ne sommes pas comme les traditionnels. Because we're not like. Quand je venais de toi. And je venais de toi. Déclare que c'est Satan qui donne les titres aux gens. Mais donc ça ne compte pas. Mais Pierre doit recevoir l'appel de Christ. Et cela and that is pour le domaine surnaturel. For the supernatural domain. Je n'aurai pas le temps de tout lire. I don't have time to read it. Mais j'attire votre attention dans les messages étroits et la porte. Vous pouvez lire cela, le verset 25 jusqu'à 26, you're going to read from verse 25-26. Frère Branham a eu un songe. Frère Branham had a dream. Drôle. That was a terrible dream. Et dans ce songe drôle, in that terrible dream, Frère Branham s'est vu sortir avec une petite jeune fille de 17 ans. Frère Branham seen himself walking with a little girl. Et c'était la petite Jacqueline qui était la fille de Frère Jacques Moore. And that was a little Jackie for the daughter of Brother Jack. Frère Branham a porté cet enfant depuis sa naissance. And Brother Branham carried the baby since he was young. Il s'est vu comme ils étaient partis quelque part avec elle. And he have noticed like they were walking with arrivé, a little girl. Arrivé là-bas, la jeune fille s'est passée avec une robe ample. And the little girl stayed down with a robe, a dress. En regardant au ciel. She was looking above. Dans le songe, Frère Branham s'est demandé. Now into the dream, Brother Branham was wondering. Ici avec cette jeune fille. What do I do here with this little girl? Pourquoi je suis sorti avec elle? Why did I go out? Je suis déjà marié. I'm married. J'ai des enfants. I've got kids. Moi, un vieux homme. I am old man. Qu'est-ce que je fais ici avec cela? What do I do here with this little girl? Pendant qu'il se demandait là, and while he was wondering, il dit et à ce moment-là, and he said from the top, une voix s'est fait entendre de l'arbre disant, he heard a voice from the tree. Ceci sert d'insigne et à sa raison d'être. And this is to show you about the sun and it got a reason why. Maintenant au verset 26, Frère Branham explique le sens. Now from verse 26, Brother Branham, break it out. Voici ce que la vision signifie. La vision signifie. Behold what the dreams mean. La petite église, la jeune fille était vierge, juste un enfant, et cela représente la virginité de l'église. The little girl was representing the little church that was virgin. L'église à laquelle Frère Branham est envoyé, c'est une église vierge. Amen. The church that we don't bother of being sent. Sans virgin, sans dénomination. Without denomination. Cette église dépend de la parole de Dieu seul. That church depends only from the word of God. Tout ce qui dépend de la parole n'entre pas en ligne de compte. Everything that is not the word is not on the way. Il dit, et les trois pâtés de maison en représentent les trois jours pendant lesquels j'exerce le ministère là-bas. The 3 days that I spent for the ministry the other et side. Par mon ministère. And through my ministry. Je prends
regarder là où elle est. And to bring it where it's supposed to be. Pour la conduire plus haut dans les choses de Dieu. And to lead up, to lead higher into God's things. J'attire votre attention. I would like to attract your mind. Par le ministère de Frère Branham. Through the ministry of William Branham. C'est pour prendre cette vierge. And to take that and flourish. La ramener de là où elle était. To bring it where she was before. Dans la dénomination. Dans les choses du monde. Dans les histoires pareilles. Pour la conduire plus loin dans les choses de Dieu. And to bring us. Bring it higher into things of God. Ce sera le message de Frère Branham. That was the message of William Branham. Le message de Frère Branham ne nous a pas dans une église locale. It doesn't bring us or brought us into the local church. Ce n'est pas pour faire de nous des religieux. It's not to make us a religious people. Mais c'est pour nous amener dans les choses les plus profondes. It's to bring us into the deepest things. Et c'est cela que je déclare. And that's where I will say. Le dernier appel. The last call. C'est pour les domaines surnaturels. It's for the supernatural domain. Et dans les messages, monsieur, je vais maintenant parler un peu du peuple prédicateur qui était rejeté parce qu'il n'a pas la mission. Au paragraphe 18 là-bas, il dit, l'instruction est bonne. Instruction or starting is good. Mais elle est donnée dans les écoles. But that is given into school. L'église est l'endroit où on connaît Dieu. Et où on apprend Dieu. The church is the place that we know God and where we learn about on God. On apprend sur Dieu. And we learn upon God. Et cela dans le surnaturel. And that is supernatural. Et Dieu est surnaturel. God is supernatural. Le même hier que je vous tenais. Today donc j'attire votre attention que l'église. I would like to attract your mind upon the church. Est un endroit. It's a place où on connaît Dieu, where we know God, on apprend sur Dieu, and we need to lean upon God. Dans le surnaturel. But that into the supernatural. Il y a beaucoup de domaines dans le monde. There is a lot of domains. Il y a le domaine donc scientifique. There is scientist domain. Médical. There is medical. Il y a beaucoup de domaines politiques. C'est un domaine. Political domain. Il y a la philosophie, l'électricité, la construction. Ainsi de suite. Toutes ces choses-là, ce sont des domaines dans lesquels on peut se spécialiser. That we can specialize. Mais l'église du Dieu vivant a son domaine. The living God got it on domain. Dans laquelle il est en train de se spécialiser. We specializing itself. C'est un souffert. And we need to c'est tout un monde dans lequel nous entrons. It's a world that we c'est une dimension à laquelle Dieu appelle son peuple. That is a dimension that God is calling his people. C'est une région. It's all about region. Dans laquelle nous avons les choses qui nous concernent. Where we found things that belong to us. Quand nous venons à l'église, when we come into the c'est pas pour écouter un bon prêtre. Un bon sermon. It's not to listen to a good preacher. Mais que cela soit une bonne chose. It might be good as well. Mais nous venons à l'église. How we coming into the church. Pour apprendre sur Dieu. Dans le domaine surnaturel. It's a supernatural domain. Je ne sais pas si vous suivez. I don't understand. Béni soit le nom de Dieu. The name of the Lord. Et nous ne venons pas pour apprendre ce que Dieu était. We not coming here to learn what God was. Non, nous venons ici pour apprendre ce qu'il est. But we learn what God is. Ce qu'il est. And what he is. Je sais qu'il a promis d'être là aujourd'hui. He is what he has promised for today. Est-ce que vous êtes avec moi? Are we together? L'épouse. The bride. Le dernier appel. The last call of the bride. Frère Branham. Bride. Est en train de prier dans ce message, parle à cette montagne. And speak to this mountain. Frère Branham dit, au paragraphe 27, prêchez le 15 décembre 1957. Comme la reine entra en courant et dit, ne t'inquiète pas. Is the queen girl? Ne t'inquiète pas. Do not worry. C'est la reine qui est entrée dans la maison du roi quand le roi avait vu la main qui écrivait sur le mur. It when the queen stepped into the king's house when the king's not bowed hands writing on the wall. Dit, il y a un homme qui comprend le surnaturel. But this time there is a man that understands the supernatural. Parce que le roi était spectateur, il n'avait pas de réponse, il ne savait pas ce que ça c'était. Because the king was worried because he could not understand the dream. Oh Seigneur. He say, oh Lord, nous sommes contents. We so happy. Prier quelqu'un. That there should be someone in our midst tonight.
Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. L'Esprit naturel. The supernatural. Écoutez ce qui m'intéresse. This is what is interesting me. Et tu appelles l'église. And is you calling upon the church. Dans le domaine du surnaturel. Into a supernatural domain. Yes. Yes. Dieu appelle l'église. God is calling the church. Dans le domaine surnaturel. Into the supernatural domain. Ce n'est pas dans le domaine sanctifié. Ce n'est pas dans la politique. Et tous les autres domaines. Where are the domain? Mais Dieu appelle l'église au nom de Dieu. Dans le domaine surnaturel. Into the supernatural domain. J'aime bien ça. I really love this. Il dit. He says. L'esprit là que dans le ciel. Toutes ces choses montrent que la description est proche. And the sign from the skies. Nous sommes enseignés que l'Église s'habillera avant la tribulation. Noé entra dans l'arche avant que la pluie tombe. L'arche qui a même dit ici quand je vais rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti. Oh Seigneur, l'Église s'habillera avant cette heure-là. Oh Lord, the chair will be taken up before the time. Lorsque nous voyons les écritures sur la muraille, when we saw the scripture on the wall, les spirits de parmi la terre, and the spirits, le monde connaît des tremblements, and the world that are having earthquakes, combien est proche, and how much is closer, and what of this chair, les spirits, c'est le corps céleste angélique. Amen. Qui est en train de parcourir. The angelic body is flying up. Et ce sont des petites lumières. And those are the little, the little qui échappent au contrôle de Pentecôte. That are escaping from the control. Et justement, la science ne sait ce que c'est. And from there, the sign of the man. Mais la sentinelle qui est placée sur la tour a la réponse. Alors, the watchman is up on the tower. Pendant que je commence, c'est ce spotlight. While we asking you one of the supplies, c'est un corps angélique. Those are the little space. Qui viendra prendre l'église and the second apartment. These are the little apartment that will take up the church. While God is up on the earth into the human flesh. Sur le ciel américain. Spiritual. I is coming as a spiritual master. Amen. Amen.
conversion, j'ai eu le temps de parler avec les gens qui sont dans l'ordre mystique. Before interacting or before I being converted, I spoke to J'ai rencontré des personnes. I met two people. Qui m'ont dit que that told me that depuis que le monde est bon, see, the world is world. Dieu n'a jamais moins un être humain comme il a ouvert. God has not made the man as he did. Moi, je me mettais comme mon frère pour qu'on ne sache pas que je suis. I was high myself so that the man knows I'm. Et cet homme-là me disait la chose qui nous surprend. And the man who told me that the same. Nous allons dans le tabernacle. Oui. Nous voyons nos signes dans le tabernacle. Preached on 8th of December. Frère Madame G, nous sommes dans cette page maintenant. We in this age now. Paragraph 12. Depuis 1906. Since 1906. Quand la Pentecôte a commencé. When the Pentecost started. Mais il y aura un ange qui se lèvera. Pour réprimander tous les dogmes, to rebuke all the creeds, et préparer l'église à aller à la messe, and to prepare the church for going back home. Et bien, and then, un maître dans l'esprit spirituel, and being into a spiritual. Peut-être j'ai manqué de termes de mots. And perhaps I may miss out the words. Si quelqu'un est un magicien, if a person is a witchcraft, il n'a pas initié les gens dans la magie. He can only bring people to have the witchcraft. Si quelqu'un est sorcier, if the person is il n'a pas initié les gens dans la société. He can only lead people to be a witchcraft. Because he is the master into his domain. Maintenant, frère, c'est un maître dans January 1954. Back of 253. Dans la version de la voix de Dieu. From Voice of God recording version. Frère Branham déclare. And what one says. Pensez un peu. Think about it. Je pense que quand Frère Branham dit de penser un peu, de bon penser. When one says, let's figure out. You gotta figure out. Le Seigneur Jésus. The Lord Jesus Christ. C'est même qui était là-bas au jour des apôtres. That one that was in that day, et ici, en ce moment même, living is here right now. Et ceci, and this, même à terme le temps de la nation. And this is ending the nation's time. Le Seigneur Jésus, the Lord Jesus Christ, qui était là au temps des apôtres, that was the interapostles, est ici maintenant, is here right now. C'est ce qui termine le temps de la nation. And this is why. Écoutez ce qui suit déjà. Un grand mouvement, the great movement, se déroule. It's happening en ce moment, in this time, parmi les croyants surnaturels. Among the supernatural believers. Il y a un grand mouvement. There is
a great move. Il y a une secousse. There is a shake. Et cette secousse. And that shake. C'est parmi les croyants surnaturels. It's among the supernatural believers. Pourquoi? Why? Parce que vous croyez que Dieu est ici. I believe that God is here. J'attire votre attention. I like to pay your attention. Suis-moi. Follow me. Suis-moi dans le domaine surnaturel. J'appelle le membre de l'église. Nous sommes dans le tabernacle. Nous sommes dans le message. Nous sommes dans l'épouse. C'est comme si quand vous entrez dans une église et que vous avez les trois photos de machines, vous pensez que vous êtes dans l'épouse. Non, non, l'épouse est surnaturelle. Et préparez-vous.
and get ready. Le feu descendra. The fire shall come out of the dead. Dieu va le faire. And God will do it. Et ce sera impressionnant à voir. And that should be impressionnant to see. Serez-vous prêt lorsqu'il viendra? And God may surprise you. Serez-vous prêt pour monter avec lui? Are you ready to escape? Lorsqu'il viendra? When you will come? Je pense que je fais la lampe à son église. I think what about speaking into his church? L'enlèvement secret. The secret rupture. De l'épouse surnaturelle. Oh, the supernatural bride. Elle passera du mortel à l'immortalité. And that will pass from the mortality. Elle sera changée à une estangue d'œil. And that will change people from the pit of the heart. L'enlèvement. And the rupture. De l'épouse surnaturelle. Of the supernatural bride. Le christianisme. Christianity. Le message. The message. Nous fait entrer dans quelque chose. He is bringing us inside of something. Je vous lirai peut-être pendant la semaine. I will read it through. Un homme fait l'église. A man goes to the church. Frère Branham sous le discernement. Frère Branham, discerning the man. Il dit que je vous vois. He said, I can see you. Essayez d'entrer dans quelque chose comme le tourbillon. I can see you enter into the whirlwind. Vous êtes en train de chercher l'élévation spirituelle. You seeking for the spiritual elevation. C'est ça notre problème. That's our demand. Ce n'est pas l'élévation naturelle et physique qui nous intéresse, mais nous cherchons l'élévation spirituelle. It's not natural thing that interests us, but we need. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Votre message est glorieux. Vous vivez dans un temps glorieux. Vous êtes un peuple privilégié. Vous connaissez l'heure dans laquelle vous vivez. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez mes amis. Listen, my brothers. Ça me fait du mal des fois. It's harming you to see some. Quand Frère Branham a prêché le message sur un super signe, when Brother Branham preached about a super sign, prêché le 24 juin 1964, preached on the 24th of June 1964, au paragraphe 29 et 30, paragraphe 29 and 30, j'attire votre attention parce que je vais terminer mon message. Very soon I'll close my message. Nous sommes dans l'âge de super. We into the super age. Frère Branham dit, Brother Branham said, super race. Super race. Super route. Super freeway. Super. Tout est super. And everything is super. Il faut quelque chose qui soit grand, plus grand que ce qui est ordinaire. And there should be something greater and something ordinary. Il doit avoir une super maison. And there should be a super house. Il doit avoir une super maison. And there should be a super house. Les maisons changent chaque année. And the houses are changing. Les maisons sont modèles 1960. Ne fait rien en 1963. Votre réfrigérateur doit être un peu super. Your fridge should be super. Il doit monter un peu plus. And that need to be the. On doit rétablir un peu plus. Tout est super. Everything is super. C'est juste une manigance pour se faire beaucoup d'argent. It's all about being clever to attract people. Mais écoutez ce que je dis. Listen, on arrive à un point où, comme je l'ai prêché l'autre jour, we're reaching at the stage as I preach the other day. C'est un temps d'explosion. This is an explosion time. Tout explose. Everything are breaking out. Les gens explosent. Are explosing. Ils ont accumulé trop de pression. And people are accumulating a lot of pressures. Tout ça, all that, ce sont des signes indiquant les ténèbres qui approchent. These are the signs that are showing the darkness that is coming. C'est juste, on arrive à un âge inconnu. It's all about we reaching in a known age. On arrive, we reach un âge into inconnu, an unknown age. Frère Branham dit, and what one says, nous entrons dans un âge mystique. And we getting into a mystical age. L'inconnu où le super va entrer dans le mysticisme. The unknown where the super is entering into the mysticism. Yes. Je ne sais pas si vous avez compris. I don't know if you follow me. Nous venons de dépasser l'âge de la Odyssée froide formaliste.
We just passed the end of Laodicea. Maintenant, nous entrons dans un âge inconnu. Now we enter into another age. Et dans cet âge inconnu, in that unknown age, rappelez-vous que nous sommes dans l'âge des super. Remember that we into the age of super everything. Et le super doit entrer dans le mysticisme. Voilà. And the super gotta enter into the mysticism. Si vous prenez vos dictionnaires, if you take your dictionary, on déclare que le mysticisme, if you can not spot, c'est une doctrine. Croyance fondée sur une union intime de l'homme et la divinité. Il déclare une union a rendu possible dans la contemplation. A union that is made possible into the. Parce qu'il y a la loi de contemplation. C'est que vous regardez, c'est que vous écoutez, c'est que vous aimez. C'est ce que vous devenez. Et cette loi-là donne une influence, s'il va dire. Et dans l'âge dans lequel nous vivons, ce qui est super doit entrer dans le mysticisme. What is super need to get into the mysticism. On dit que le mysticisme, c'est une doctrine. And they say it's all about the doctrine. Il affirme la possibilité d'une union directe de l'homme avec Dieu. Union. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi? Nous voulons entrer dans le mysticisme. Like entrer dans une union directe de l'âme avec Dieu. We would like to enter into that union of the soul and God. Qu'est-ce qu'on parle du mysticisme? And what is about that domain? C'est une disposition d'une âme. Volubility of the soul. Qui se dirige à cette union. That is going through the union. Déterminé pour une série par des étapes. Determined from a series from the stage. Ou par des étapes. And from the stage. Vous quittez un état. And you leave from one stage. Vous montez dans un autre état. And you go into another stage. Vous quittez la justification. And you move from the. Vous montez la sanctification. And you go up into. Vous quittez la sanctification. From the. Au baptême du Saint Esprit. Vous quittez le baptême. Vous entrez dans l'adoption. Et quand vous entrez là, vous entrez dans le mysticisme. Et là, est connecté à la divinité. Et votre soul est connecté à la divinité. C'est Dieu qui bénisse. Quelle église. Alléluia. Le message de Frère Branham. The message of William Branham. Ça demande une initiation. Initiation. Nous devons entrer dans les mysticismes. Vous devez être des hommes mystiques. This is where I want to say my little message this morning. A Christian est reconnu dans le monde des esprits. He is well known in the world of spirit. On peut le détecter. They can detect him. On peut le reconnaître. They can know him where he is. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you something. J'étais au début de ma foi. I was at the beginning of my faith. Coming from the church. Je vis un vieux homme qui m'appelle. I saw an old man coming. He said, young man, came. Tu as à peu près cette personne. We were 7 people. Et moi. I say, I. Alors j'ai dit moi. And then I say, I. He say, you. C'est vieux homme me demanda. The old man asked me, tu pries où? Where I pray. Je ne prie pas dans le tabernacle. I say, I pray somewhere in the tabernacle. Dis pourquoi je n'ai pas demandé les autres? I say, why I didn't ask others? Quand tu passes. Once you are passing, je vois une lumière où je suis. I saw light upon you. Et nous savons que Dieu. And let me tell you. Cette lumière. That light. N'a pas seulement le message. It's not only for the messenger. Mais pour le
voulons notre peuple. We call our people. À entrer dans quelque chose. To enter in something. Amen. Laissez-moi lire quelque chose. Let me read something. Dans le message. In the message. Prendre Dieu au mot. Take God in His word. Est-ce que vous pouvez aussi prendre Dieu au mot? Can you take God in His word? Alors que je suis venu maintenant. Then I watch the time. Frère Banamji. When they said. C'est prêché en 59. Je pense. He's preached in 1953, I believe. He said, he's take God in his word. Paragraph 9. Je crois que je suis simplement un ancien. Je suis un prédicateur des bois. I believe I'm an old preacher in the jungle. À l'ancien monde. In the old fashion. Qui croit à l'évangile qui touche le cœur. Who believe in the gospel that touched the heart. Tout le péché. Which kills the sin. Celui qui croit. The one who believe in the old fashion. Je crois que l'homme quand il est né de Dieu, I believe a man once is born from il God. Il devient fils de Dieu et la puissance surnaturelle de Dieu demeure en lui. He becomes son of God and the power supernatural of God dwells in him. Nous avons un Dieu surnaturel. We got a supernatural God. Nous avons une vie surnaturelle. We got a life supernatural. Je crois que tout ce qui est de Dieu, I believe all that is born from God, né de l'Esprit de Dieu, born from the Spirit of God, est surnaturel. Must be a supernatural. Écoutez mes amis. Listen, my friend. Nous avons une résurrection surnaturelle. We got a supernatural resurrection. Nous avons un ciel surnaturel. We got a supernatural. Nous connaîtrons un enlèvement surnaturel. Et supernaturel. Je crois que toute la chose est basée sur le surnaturel. I believe all the things is passed through the supernatural. Le ciel dans lequel nous allons. The heaven that we go in. Ce que nous avons. God is supernatural. La vie que nous avons. The surnaturel. La résistance. Surnaturel. L'enlèvement. Surnaturel. Avant tout le monde. Et then I. J'essaie de réveiller votre conscience. Ne vous habituez pas avec le mouvement de la religion. Don't be used to the movement of religion. Mais je dimanche à l'église. Sunday, Friday and Sunday in the church. It's not that the purpose. C'est pas ça notre appel. It's not our calling. Nous devons aller plus que ça. We need to go more than that. Alléluia. Que soit le nom du Seigneur. Let's be the name of the Lord. Oh Dieu. Vous savez. You know, quand on appelle l'église, once they call the church, le pasteur Gabriel va me supporter. The pastor Gabriel will support me. Quand quelqu'un vient ici, once somebody came here, vous trouverez peut-être plein. He can find you full. Et le pasteur Gabriel a fait un grand travail. Oh, the pastor Gabriel has done a big job. Chez nous là-bas, quand vous étiez dans la location et que vous chassiez votre parcelle de l'église. Back home, if you have money and you buy pastor property, votre évêque vient vous jeter des éloges. And your evêque came and toy some. Contre les chaises, long les chaises, les instruments, on vous dit. Your chaises, the instruments. Tu as fait un grand travail. You have done a good job. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Qu'est-ce qu'il voit? What is this? La parcelle achetée. The property by l'église en construction, the church building, et les gens qui viennent à l'église, and the people come from the church. Mais ce que Dieu appelle grand travail, ce n'est pas ça. What God called great job is not that. Alléluia. Tant Jésus se glorifiait, ou Jesus Christ glorified, ou dans Josué le veillant qui riait dans ces deux messages-là. Oh, Joshua revealed to the Lord. When they say, ce qui importe, what is matter, ce n'est pas combien de gens nous avons amené à venir à votre église. It's not how much people we brought to our church, mais combien avons-nous amené à Christ. It's how many we brought to Christ. C'est une question très importante. It's a very important question. Yes. C'est bien. It's good to bring people in the church. Mais nous devons les amener plus loin que ça. But we need to bring them more than that. Ouais. Et on appelle ça l'église. We call this church.
L'église, ce n'est pas ça. The church is not this. L'église, c'est quand Dieu envoie un messager avec une onction. The church is when God sends a messenger with anointing. Avec un message. With a message. Avec une vision. With a vision. Les gens qui arrivent à toucher la chose avec le messager, c'est ça l'église spirituelle. The people who touch the things that have the messenger, this is what they call the spiritual church. Je le répète. I repeat it. Ce qu'on appelle l'église n'est pas l'église. Yes. They call church is not a church. Ce qu'on appelle l'église, what they call the church, c'est les gens qui partagent la même bénédiction avec le messager. It is the people that they share the same blessing with the messenger. Vous êtes avec moi? Are you with me? Quand allez-vous prêcher le 9 septembre 70? Countdown 19. Frère Banam, 64-65. Paragraph 64-65. Maintenant, j'aimerais que vous vous rappeliez ceci au fur et à mesure que nous avançons. Now we like to remember this as long as we moving forward. L'église qu'on appelle l'église n'est pas l'église. The church that they call church is not a church. C'est l'église spirituelle. It's a spiritual church. Il y a eu des milliers de luthériens qui s'étaient joints à une église. It has many thousands of luthériens that joined a church. Qui ne connaissait rien sur la justification. We didn't know nothing about justification. Comme un pauvre ne connaît s'il il sait de femme. Just like a poor knows one so. Et l'âge de Wesley. And the age of Wesley. Beaucoup de gens sont venus derrière le message. Many came behind the message. Mais. But combien de millions professaient la justification sans savoir plus sur la puissance? How many confess about the sanctification without knowing mais about that? Il y a un peuple qui a atteint la chose. But there were people that reached the thing. Vous voyez où je vais venir? Do you see where I want to take it? Il y a quelqu'un qui connaissait ce que c'est être justifié. There is somebody knows what is to be justified. Avant l'entrée avec Dieu. Before. C'est vrai, les Luthériens étaient fidèles. Those Luthériens, they were. Ils croyaient cela. They believed that. Peu importe ce que disait l'Église catholique. No matter what the Catholic said. Ils croyaient la parole de Dieu. They just see et s'en tenaient à la parole. And they speak on the word. Car le messager de cet âge la prêché. Because the messenger of that age. Ils étaient capables par la grâce de Dieu d'atteindre la justification. They were able by the grace of God to reach the justification. Beaucoup de méthodistes étaient réellement sanctifiés. Many Methodists they were really sanctified. Beaucoup de gens proclamaient cela mais sans en savoir. They proclaimed that without knowing it. Mais certains hommes étaient sanctifiés réellement. They were sanctified. Les choses du monde, in the things of the world, consacrés et mis à part. They consacrent their life and then it's done. Qu'est-ce que je veux dire par là? What I want to say by that? Les Luthériens ont dit. The Luthériens ont dit. Mais le Seigneur Jésus. Believe in Jesus Christ. Vous dites ça. Nous on crie cela mais sans posséder la chose. Many believe that without consulting the. Wesley vient. La sanctification. The sanctification. Les gens de Wesley. The people behind Wesley. Sans posséder. Without proceeding. Les Pentecôtistes ont dit. The Pentecôtistes. Il faut parler là. You need to speak in tongues. When they said. Ils ont parlé certainement en langue mais sans. Certainly they spoke in tongues, but without knowing them. Maintenant. Now, nous sommes dans l'âge de l'adoption. We are in the age of adoption. Nous pouvons parler de l'adoption sans posséder l'adoption. And we need to speak about adoption without possessing adoption. Et dans l'église spirituelle, c'est ce que tu as atteint la chose. It's those who reach the thing. Yes. 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 Maintenant. Now, nous voulons terminer. We would like to end up. En disant, saying que Dieu t'appelle, the God call you, Dieu m'appelle, God call me pour les domaines surnaturels, pour les supernatural domaines. Je voulais sauter ici, mais laisse-moi le lire. I would like to jump here, but let me read it. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Why the Holy Spirit was being given? 175. 155. Suis.
vous ressentez le moindre petit quelque chose qui tue, if you really feel the little thing that attracts you, ne le poussez pas. Don't push it away. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Ghost? Dieu en vous. God in you. À quoi sert-il? What is à vous suivre son œuvre parmi le peuple. To follow his work. À rassembler son église. To gathering his church. À amener l'église à une position en ce jour. To bring the church in the position in this day. Et au-delà des luthériens. Over the Lutherians. Des méthodistes. The Methodists, the Pentecostists, en position pour une adoption. In the position for adoption. Et une grâce de l'enlèvement. A grace for the rapture. Béni soit le Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Quand cette partie de l'église, quand l'esprit entrera dans cette église-ci, this part of the church was the spirit. Et elle ressuscite. And will raise up. Et qu'elle va sortir. And then will come out. Tout est racheté. Oh, the redeemer qui a touché cet esprit. Who touched that spirit? C'est-à-dire, hein? Amen. Il y a un corps de la chair. There is a body of the redeemer. Atteint la chose. Who reached the thing qui a touché cet esprit. Who touched that spirit? Et cela leur donne la grâce de l'enlèvement. And this is give them the grace of God. C'est une position. C'est un sphère dans lequel nous entrons. Is a shoe for which we bénis soit le nom du Seigneur Jésus. Blessed be the name of the Lord. Maintenant, now, Corinthiens livre de Corinthiens, 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 the book of Corinthians, paragraph 18. Je pense, I believe, lorsque vous avez un peuple auquel vous pouvez enseigner des choses profondes. Once you have a people that you can teach the deepest things, le Saint-Esprit peut alors faire retentir des grandes vérités et les appeler à l'égard des gens. The Holy Ghost can reveal amongst them the great truths that can make them progress. Enfin, qu'ils sachent où ils se tiennent. So that they will know where they stand. Yes. Qu'il y ait une sensation ou pas. There can be a sensation or not. Qu'il y ait une prophétie ou pas. There can have a prophesy or not. Quoi que cela puisse être. Whatever that can be. Peu importe ce que c'est. Whatever is. Maintenant rappelez. Now remember, je ne cite pas de Dieu, Dieu n'agit pas par la prophétie. I don't say that God has in the prophesied things like nous appuyons là-dessus. But we, dans notre église, il y a des visions. Dans notre church, mais écoutez, mon ami. Now listen, my friend. Frère Banamji, when they say, nous nous sommes emparés de quelque chose de plus profond que cela. We proceeding a very deepest things more than that. Je suis sûr que vous puissiez peut-être vous secouer de ce mouvement pentecôtiste. I just want to shake you from this pentecôtist movement. Bien que les dons nous accompagnent. No matter the gift vindicated us. Mais le vrai croyant. But the true believer. S'est emparé de quelque chose plus que ça. Is proceeding something more than that. Le vrai croyant. The true believer. Reach the thing. Le vrai croyant, the true believer, touché à cet esprit-là. Touch in that spirit. Alléluia. It's just like an astronaut. Il est contrôlé par la puissance de la rue. He is controlling by the power of the rudder. Il est dans une chambre insonorisée. He is in the room that is being sonorized. Quelle chose a été ou mal? If the things can go right to bed. Hallelujah! The believer went somewhere. You can be the gift of the believer went somewhere. Where is he come? He became a part of the world. They send the world can never pray. It can never be. We never pass through. Dieu. Est-ce que vous voyez votre position? You see your position? Oh, on m'a dit,
They told me. They told me. Quelqu'un m'a prophétisé que je vais mourir. Somebody prophesied me that I will die. Si je vais mourir. If I will die. Je peux moi. Why am I scared for? Je peux moi. Why am I scared for? La mort, est-ce que vous savez la valeur de la mort pour the dead? You know the value of the dead for us. La mort. The dead. C'est une fois qu'il vient à la vie. He is a power that brings you back home. La mort. The dead. C'est un moyen de transport. C'est mon pain. Il est from the world. Ouais, ouais. Yes. C'est ce que j'ai gagné. Is what I parce gave. Que le mort me met de caler auprès de moi. Because the dead can only go to your mind. C'est pour vous, mes amis. Just check yourself, my friend. Ne voyez pas les choses qui se voient. Don't see the things that are in your mind. What is this boy? Is just a second to give a phone call down. All his great power will fall down. Man, il y a une cité préparée pour lui. But there is a city to pay for the day. Et pour y aller, and to go there, le maître t'appelle, the master's calling you. Let's stand in our feet. Pendant que nous allons fermer nos yeux, the time that we're going to close our eyes, suivre ces quelques déclarations de Frère Branham, and for some declaration of Brother Branham. C'est celui qui est à la sainte, au sainte, au piano, peut nous entonner les liens plus haut. If somebody, je m'adresse sur la route du ciel, les nouvelles auteurs, chaque jour je parle. Mais sur mon chemin, je prie, Seigneur, place-moi. Place me in the highest place. Fermons nos yeux pendant que Frère Branham est en train de dire ceci. Close our eyes the time that Brother Branham saying this. Dieu est Dieu, c'est un Dieu de réalité. He say God is God of reality. Ne prenez pas juste un credo. Don't just take a creed. Ne prenez pas juste une sensation. Don't just take a sensation. Prenez une réalité. Take a reality. Prenez un Dieu réel. Take a real God. Quelque chose que Dieu est. Something that God is. Un Dieu de réalité. A God of reality. Qui vous donne l'assurance. Who give you assurance. Cela vous donne l'assurance. This give you assurance. Cela vous donne l'espérance. This give you hope. Cela vous donne la foi. This give you faith. Cela vous donne l'esprit. This give you faith. Cela vous donne des signes. This give you cela vous donne des miracles. This will give you miracles. Cela fait en vous. This is make you exactement. Exactly. Ce que cela a fait en Christ. What that he done in Christ. Ah, c'était ça le but de sa venue. This is was the purpose of his. Amener Dieu à l'homme. Bring God to man. Et faire que Dieu et l'homme soient un. And make God and man be one. Frère Madame de Glare. We may declare. Réclamez le privilège que Dieu vous a donné. Reclaim the privilege that God gave you. Car l'air pour vous, d'être guéri, est là. Because his day. D'être fier Dieu et de recevoir son esprit et son esprit. To glorify God and to receive his spirit. Débarrassez-vous de tout le formalisme. Take out all the formalism. Débarrassez-vous de toutes ces religions, des rites. Take out all those kinds of religions. Entrez dans la sphère du Dieu vivant. Enter in the sphere of the living God. Qui éveille l'âme de l'homme. Which wake up the soul of the man. Vous fait entrer dans la justice. Make it enter in vous amène à l'adorer à l'esclavérité. He call you to worship in the truth. Car l'heure vient, il est déjà venu. The time came, he's already came. Où Dieu a envoyé son avertissement. Wow. Where God give his warning, send his warning. Pendant que nous avons nos têtes inclinées. The time that we got our head bowed down. Mon frère et ma soeur. Brother and sister.
Je sais que vous avez beaucoup de temps dans le message. I believe you have many years in the message. A fait beaucoup de temps dans le message. You have done many years in the message. Je sais que vous parfois vous faites quelque chose à l'église. I know sometimes you do something in the church. Dieu faisait aussi quelque chose dans l'église. Alleluia! He was doing something in the church. Le maître lui dit, suis-moi, Pierre. But the master told him, suis-moi dans le domaine surnaturel. Follow me in the supernatural. Suis-moi dans un autre domaine que tu ne voulais pas, Pierre. Follow me in other domaines. Débarrasse-toi de tous les formalismes. Take out all the formalism. Débarrasse-toi de toutes les religions, des rites là-bas. Take out all the religions. Mais entre dans la sphère du Dieu vivant. But enter in the sphere. Et veille là maintenant. Then you are conscious of what you are. Vous êtes conscient de ce que vous faites. You are conscious in what you do. Vous êtes conscient que le monde va passer. But you are conscious that the world et tout ce que tout le monde va passer. Mauvais sentiment, c'est dans nos phénomènes.
Thank you.
Superman. Nous pouvons aussi voir un super chrétien. Il est ici et joue pas plus. Est-ce que tu peux aussi comprendre la chose de la même manière? Can you also understand the things in the same way? Tu es un homme l'avait compris. We will understand it. De la même manière qu'on l'a présenté aujourd'hui. In the same way they presented today. Je t'invite à comprendre la chose de la vraie manière chrétienne. In the true Christian way. Pour que tu sois un super chrétien. So that you can be a super Christian. L'état où tu es, ce n'est pas ton état. The state that you are is not your state. Tu es la partie de Dieu. You are a part of God. Tu es la femme de Dieu. You are a God of Christ. You are the bride of Christ. Alors Dieu t'appelle ce matin. When God is calling you this morning. C'est le dernier appel. It's the last calling. C'est le dernier appel. It's the last calling. C'est à toi d'en profiter. It's up to you. Et d'entrer dans l'épouse. Oh, to enter in the bride. Et de quitter l'église. And to leave the church. C'est à toi, mon frère. It's up to you, brother. Écoutez bien. Listen carefully. We are going into a mystic on the edge. Vous allons dans le mystique, dans notre âge. Dans un âge mystique, un âge inconnu. In a mystic age, unknown age. We are going into a mystic unknown age. Nous allons dans le mystique, dans l'âge inconnu. Where super is going to break out into mysticism. Là où l'espère va aller dans le mysticisme. Nous allons dans le mysticisme. We're going to enter in the mysticism. Nous quittons dans tout ce qui est visible. We leave all that is visible. Nous quittons dans tout ce que les gens voient. We leave all that people can see. Nous quittons dans tout ce qui frappe les yeux. We leave all that. Nous entrons dans quelque chose qui est invisible. We enter in something that is invisible. Dans le mysticisme. Into the mysticism. Donc dans le mystique. That's mean in the mystic. Les gens qui deviennent mystiques. The people that become mystic. Les croyants mystiques, les believers mystiques, les chrétiens mystiques, les Christians mystiques, que les gens ne peuvent pas comprendre. Those are people that never understand. Oh mon frère, voilà. Oh ma sœur, my sister. À quoi te servira Paul? Mais s'enjouir avec les choses de ce monde. How much will serve you to rejoice with the things of the world? You can strap yourself for the things of the world. But you must know. There is a little church. A little number of people. Which is entering in the mysticism one by one. You can sing with them. You can pray with them. You can pray with them. You can follow the world. Yeah, ils sont mystiques. But they are mystiques. Ils sont dans un autre monde. They are in to another invisible unknown world. Hallelujah. 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 Cette chose m'a beaucoup frappé. That thing struck me a lot. Il y a des gens qui entrent du jour au jour dans un monde mystique. There is people entering day by day in the mystic world. In a God's domain. Dans le domaine de Christ. In Christ's domain. Christ et Jésus. In Christ Jésus. Jour en jour. Day by day. Of mon frère. My brother. Ma sœur. My sister. Est-ce que tu ne peux pas être l'un d'entre eux? You don't want to be one of them. Est-ce que tu ne peux pas l'être aujourd'hui? You don't want to be there. Ouvre seulement ton cœur. Just open your heart. Sois sincère de toi-même. Be sincère by yourself. Et Dieu fera quelque chose. And God will do something. Je crois bien que cette semaine que nous débutons. I believe this week that we started. C'est une semaine de réveil.
quelque chose. God will do something. Ouvrez votre cœur. Open your heart. Ouvrez votre matrice. Open your heart. Recevez la parole. Receive the word. Ne vous contentez pas aux explications des ministres. Don't content yourself to explain of the minister. Et les démonstrations des ministres. And the demonstration of the minister. Avec les connaissances de la Bible. The knowledge of the church. Et vous réjouissez vos dîmes. And you rejoice. Prêcher, il prêche. Mais nous voulons voir quelqu'un. 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 Mais nous voulons much many needs. Nous avons beaucoup de besoins. We need help. Where is the God of weeping? Where is the God of the great master? Where was the great master? Je suis ravi.
Avec la parole ce matin. With the word this morning. Et le compte de parole. A short word preaching. Et le compte de prédication. A short preaching. Avec des choses très profondes. With a deepest thing. Seigneur Jésus. Lord Jesus Christ. C'est si merveilleux que ce peuple, tu les as appelés ici à un but. This is showing me that you call these people in the temples. Et ce que je te demande, mon père. And what we ask you, Father, est d'ouvrir les yeux de ce peuple. Is to open the eyes of these people. Et ouvrir aussi les yeux de l'entendement spirituel. And to open also their way of hearing. So that the things must not pass through by. Mais que les choses entrent. So that the things must enter. Ce peuple sera un peuple super. These people will be a super people. Des chrétiens super. Des super Christians. Des chrétiens mystiques. The mystic Christians. Comment nous pouvons dire que nous croyons le message de William Aréglement? How can we be say we believe the message? Mais nous voyons Branham avec notre vie. But we see Branham with avec notre puissance. With another power. Mais nous les enfants de Branham. But as the children of Branham. Nous sommes toujours les mêmes. Comme we are still the same like the Baptist, the Baptist, the Baptist, and the Catholic. Must also
Then vous devez venir ajouter enter
Vous devez entrer dans cette chose. Et cette chose dans le sphère. Dans le sphère. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas par les mains. À la fin, vous serez super chrétien, super croyant. Est-ce que vous comprenez cela? Vous ne pouvez pas venir, vous venez comme ça et vous retournez la même chose. Non, ça ne peut pas. Vous venez trois fois, vous tenez compte. Si vous allez dans l'église catholique, vous retournez toujours. Vous gagnez, just like you go to the Catholic Church and you go in back the same. Vous devenez super saint en changeant les habits au seul dimanche. You becoming super only changing the clothes this Sunday, next Sunday. Special sisters. Autre dimanche. Another Sunday. But enter into. Aujourd'hui, la chaleur super. Today the word of God was waiting sure. Nous we leave this change. And then we enter in the bride. We become a super. Là, Branham est venu nous apprendre le mysticisme. Hey, Branham came to learn us the mysticism. C'est très important. It's very important. Si vous êtes spirituel, if you are spiritual, holiness tabernacle. Est-ce que vous pouvez aussi sentir la profondeur de la chose? Can you also feel the deepest of the things? Que Dieu vous aime. God must come to heart. La grève. The rapture is near. Mais l'épouse. But the bride. Dieu est en train de sélectionner. God is taking one by one. Il est en train de prendre le sien. He's taking his own. Il le met dans la place qu'il fallait. And then he put them in the place that it's supposed to be. But you. Je ne sais pas. I don't know. C'est à vous. It's up to you. Amen. Oh, je ne crois pas. This word of God must not be upon you like a judgment, but must be for you a blessing. Pasteur, je me vais retourner vraiment. J'ai toujours aimé quelqu'un qui dit frère Branham. I always love somebody said what Paul said. Il dit encore. He said again. Pas les histoires de. Oh, the histoires. L'histoire de Bébel. Je ne sais pas si un philosophe. You take the history of a philosophy, scientifique, a science person, you bring it, you tell us the experience, what is that, and this and this. What is that? C'était Abraham de lire tous les documents là. It's up to Abraham to read all these documents for us to see what. It's not up to you to read those documents. And the fleshly believer, they are not shouting. He spoke things. But his idea, his thought, we got no right to follow the thought of somebody. The thought of somebody will never fall. The thought of a man bring death. There's somebody saying, when they say, when they say, he said again, he said, it's give joy. It's what made it right. It's what made it right. It's what made it right to be and to enter it. But you that are freshly, he said, blessed man. All healing knows. No reading is to bring you to the truth. Repeat the things. Yeah. Aujourd'hui, je ne sais pas. Today, I don't know. Salut à votre frère. Greet your brother. Dis to me. Say to him. Je suis béni. I'm blessed. C'est ma reine, je suis béni. This morning, I'm blessed. Je suis béni. I'm blessed. Sœur Maggie. Sister Maggie. Say to the sister, I'm next to you, I'm blessed. Voilà. Si. Bon, faisons ceci.
Okay.
dit encore à votre retour, saluez mon église là, dites-leur que vous êtes pas. Read that church, it's my church. We love them all. J'ai oublié quelqu'un. Ok, c'est la femme.